On le savait dès le départ, c'était dans sa présentation, déjà une crainte des dirigeants marseillais. Je crois que Jacques-Henri Hérault, lorsqu'il présente Luis Gustavo, parle déjà de cette réputation et de joueur un peu dur en disant attention, va pas falloir lui coller des étiquettes sur les premières questions. Bon, voilà, il s'est passé 11 journées de championnat et on va le voir avec un petit classement des 5 joueurs les plus avertis en Ligue 1. Ben, Luis Gustavo est en tête. On sait que dans le classement du fair play, un carton rouge compte 3 points. Pour un point pour un carton jaune, donc vous voyez, il est en tête puisqu'il a été averti. Après, ça se délimite avec Guano sur le nombre de matchs où il a pris un carton, il en a pris 7. Là où Guano a été averti que sur 5 rencontres, on voit qu'il y a Neymar aussi. Tiens, Neymar est pas loin dans ce classement. Voilà, mais sinon, c'est vrai que voilà, Yamberé, Assou Ekoto, Guano. Est-ce que il y a une cabale sur Luis Gustavo? Alors, cabale, c'est un bien grand mot, mais on sait que, on a l'impression qu'il va pas finir un match sans prendre son petit jaune. Est-ce que hier son jaune, Samir, t'a paru scandaleux ou Non, ça m'a pas choqué. L'arbitrage hier était plutôt bon. Son arbitre qui laissait jouer, il a été très clément sur Evra. Donc on va pas. Oui, il y a ça aussi, voilà, c'est vrai. On va pas se plaindre. En même temps, sur les trois premiers cartons sont pour l'OM. Je dis pas que c'est immérité, parce que, mais par contre, les Lillois avaient fait aussi quelques points. Oui, ils ont fait aussi, On est 3-0 au carton, je comprends pas trop pourquoi ça se déroule comme ça. J'ai pas trouvé ça scandaleux. Franchement, Après, sur le. Luis Gustavo, malheureusement, lui, il se prend des vagues. Hier, il s'est pris des vagues. Le premier rideau était quasiment inexistant. J'ai trouvé que le pressing était pas coordonné, donc les gars y allaient un par un, donc ça partait directement, et ben il se prend des vagues. Au bout d'un moment, forcément il va faire des fautes, et ben voilà, ça va. Quand il a plutôt bien géré son match au final, parce qu'il a que il a qu'un jaune et il a pas fait énormément de fautes. Voilà, mais moi ça m'a pas spécialement choqué. Après, sur oui, il vient avec une réputation. En Allemagne, je crois qu'il en a pris, il prenait pas mal de cartons. Ben, c'est son jeu, il a un jeu dur, on le sait. Ben, il en faut. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il est esselé? David, Samir parlait de vagues pour Luis Gustavo. On le voit réaliser dès le début de match 3-4 bonnes interceptions proches de son joueur. Et après, il avait beaucoup plus de mal parce qu'il devait, il n'en avait pas qu'un de joueur à prendre. Est-ce que sur ce genre de rencontre, est-ce que c'est aussi si Luis Gustavo est si averti, c'est aussi parce que Zambo à côté et Morgan Sanson, par exemple, qui est plus haut, laisse quand même de la place dans l'entrejeu au niveau du marquage. Quand on voit le match qu'ils ont fait contre Paris et l'envie qu'ils ont tous mis pour essayer de faire quelque chose dans ce match, ben voilà, ça fait le résultat qu'on attendait. On attendait peut-être un peu plus, mais voilà. Et sur ce match de Lille, ben en ce sens, c'est Lille un peu moins, voilà, il y a un peu moins de pression, donc on joue différemment. Peut-être des joueurs n'ont peut-être pas fait les efforts qu'il fallait à certains endroits du terrain, et à l'arrivée, ça a créé certaines brèches au niveau de l'OM. Et lui, en ce moment, il compense beaucoup, beaucoup de joueurs. Et certes, ben, on prend des cartons. Après, on peut les éviter aussi. Mais bon, après, quand on est dans le jeu, ben, voilà, on cherche pas à savoir si on a un rouge, enfin un jaune. Déjà, voilà, on essaye de défendre comme il faut. Yvan, est-ce que ça te donne pas envie de proposer un milieu défensif à l'OM? Parce que au final, il y a un remplaçant à prendre pour qui peut jouer un match sur trois. C'est quand même pas mal, non? Je pense pas qu'ils prendront dans cette zone-là. Après, pour revenir sur les cartons, il fait partie un peu de ces joueurs de où tu sais qu'il va prendre un carton avant le match, un peu comme Bernardi à l'époque où tu sais qu'il va prendre son carton. Ouais. Il est très visible, quoi. Tu vois, sur le t'as toujours sur les fautes, c'est toujours un peu too much, quoi. C'est flagrant, quoi, qu'il fait la faute. Alors qu'il y a des joueurs, des garçons qui font les fautes un peu plus intelligentes, moi. Il savait. et c'est voilà, moi je pense qu'il y a un effet visuel sur ce garçon. La présentation du club, bon, comme on est champion de la communication à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, elle était très mauvaise. Parce que quand tu présentes un joueur comme un tueur à gage, ben, tu peux t'attendre qu'une chose, c'est que les arbitres le cartonnent. Ah oui, bon. Ça c'est vrai aussi. C'est... Mais bon, ça, il faut connaître le football pour pas faire l'erreur, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas justement, ça pourrait pas profiter à d'autres du coup? Parce que du coup, lui, c'est le tueur à gage identifié, donc du coup, les autres pourraient mettre un peu plus de coups en douce sans. Je dis pas qu'il faut mettre des coups, mais voilà, ça pourrait peut-être. Ça pourrait profiter aux autres, oui, voilà. ça c'est vrai. Le problème pour moi, pour Gustavo, il est simple, c'est que ça fait partie des joueurs que j'adore parce qu'à chaque fois
qui va au contact, chaque fois qu'il va essayer de récupérer ballon, il y va. Il a quelque chose. Non, mais il y va pour récupérer ballon. Quand je te dis ça, ça paraît con ce que je vais te dire, mais il y en a qui vont toujours au contact, ils font opposition. Voilà. Mmh. Lui, il va toujours te mettre le pied pour vraiment essayer de récupérer, ou à droite, ou à gauche, ou tacler, ou pousser. Ou le... Et donc, à force, ça titille. Il est toujours dans la limite. Mais l'avantage, c'est que d'être dans la limite comme il est, il t'en récupère un paquet. Parce que quand tu arrives derrière et que tu ne mets jamais le pied, tu récupères jamais le ballon. Alors, ça passe pas, c'est bien, tu fais opposition, mais tu récupères jamais le ballon. Payet, il prend pas beaucoup de cartons. Exactement. Donc, après, c'est vrai qu'à force d'être à la limite, en fait, les arbitres, j'ai l'impression qu'ils lui mettent un carton, que ce soit en milieu ou en fin de match, pour accumulation, quoi. À force, il est obligé d'en prendre un par match, quoi. Mais au final, est-ce que c'est pas. Ça fait pendant longtemps qu'on n'a pas eu de. Tiens, Darren qui nous dit Gustavo, sur le forum, Gustavo n'a pas pris de carton contre Paris. Est-ce paradoxal? C'est peut-être, en fait, tout simplement, ça rejoint ce que disait David. C'est ce que je disais. C'est que contre Paris, il y a toute l'équipe qui s'est mise au diapason. Donc, du coup, il n'y a pas Gustavo qui sortait du lot et qui était plus visible que les autres. Mais est-ce qu'au final, c'est pas aussi, messieurs, une bonne chose pour l'Olympique de Marseille? Je veux dire, pour l'identification, c'est important aussi. Là, on a un joueur qui correspond parfaitement aux valeurs olympiennes. Je ne dis pas qu'on est déjà assoiffé de sang et qu'ils ont les contacts. Mais si, ça fait partie du jeu aussi. Enfin, je veux dire, quand on dit plier le maillot, ça il incarne parfaitement, je veux dire, les attentes des tribunes, non, Samir? À partir du moment où on aime les joueurs qui ont cette grinta, etc., tu sais très bien qu'il sera sanctionné. Voilà, bon, c'est pas. C'est vrai que ce qui est en fait embêtant, c'est qu'on aurait pu l'anticiper et faire en sorte d'avoir un remplaçant qui soit à la hauteur. Bon, là, on aura peut-être Camara. J'aime bien. Est-ce qu'il est prêt? Je sais pas. Parce qu'il va beaucoup jouer. Ça permettra de faire jouer Sanson aussi. Il a déjà fait jouer Sanson à côté de. Je le trouve pas assez travailleur. Je l'aime beaucoup. Devant la défense. Et ouais, mais il a déjà fait. Hein. Il a déjà fait Montpellier. À mon avis, il va continuer sur cette logique. Hein. C'est Sanson, il était formé attaquant. C'était un 9. Oui, non, mais je sais. On lui demande de jouer milieu relayeur. Il joue que centré avant. Le problème, c'est qu'il a quand même moins que quand il y a Payet. Dans une saison, au final, Sanson, il risque de pas beaucoup jouer. Donc s'il remplace Payet, s'il remplace un peu au niveau de 6-8, il fera son nombre de matchs. En relayeur à 3 milieux, mais après, en 6-6 devant la défense, il n'a pas le physique comme Gustavo. On verra, messieurs. On fera d'ailleurs la composition dans une prochaine partie de l'équipe qui doit être alignée à Guimarães, où ça risque peut-être aussi un peu de tourner. On verra justement si Sanson aura de quoi se frayer une place dans le 11. En attendant, on va parler de Kostas Mitroglou.